Ça va être même une énorme ordi. J'ai tellement pété des plans que j'ai même pas fait gaffe à mardi. Bon, j'ai claqué des sons du coup, mais c'est pas grave. J'ai encore des. Putain, j'ai plus rien. Ah, mais non, mais j'ai d'autres sprays qui sont dans un autre coffre. Ouais, tu prends un sniper de airsoft et tu snipes le gamin. Sera un kiff. Et moi, j'ai un Velux et tout. Et il suffit qu'il y ait un gosse qui me fâche, je prends le snipe et pshh. Ok, j'ai pas de sniper d'airsoft. Ouais, demain, je le stream encore sur Resident Evil. En fait, tous les soirs, sauf si je suis occupé. Je restream sur Resident Evil tout le temps vers à peu près 21 h. À peu près. Ça se trouve, des fois, ce sera un peu avant, ou ça se trouve, ce sera un peu après. Là, je suis en vacances, donc. Je suis full libre. Donc, normalement, ce soir, bah, je finis Jill. Là, dans 20 minutes, on a fini. Hein. Minutes, peut-être 30. Peut-être 40 si je fais. Bon, bref. Et Et après, on en enchaîne avec Chris. Mais en mode normal. Non, mais t'inquiète, j'ai un pistolet airsoft. Un beurre éteint, mais parfait. Oh, tu sais ce que je kifferais, il faut que je m'achète ça un jour. Et j'ai un pote qui l'a en plus, l'enculé. Le mec, il a le Samurai Edge, donc le pistolet des Stars, en réplique. Pour le airsoft. Et quand il me l'a montré ça, j'étais en mode. Oh! Dis, ça coûte combien un pistolet d'air? Balles. Il y en a à 180 balles. Il y a plusieurs versions. Et en 9-9, 180 balles généralement, putain, ouais. Ah putain, je kifferais avoir ça. €50 ouais. Mais après je suis allé sur le premier site que j'ai vu, ça se trouve je vais sur un autre site, je le trouverai moins cher. Mais comme c'est un Samurai Edge, donc bah, je l'ai vu plus ici. C'est quand même un truc de collection de fans Resident Evil, quoi. Le truc où j'ai craqué. Le truc que j'ai craqué. C'est des vinyles Resident Evil. J'ai acheté un lecteur vinyle pour mon année il y a pas longtemps. Et du coup j'ai un vinyle face C, face D, donc deux vinyles de chaque. J'ai deux vinyles Resident Evil 1, du coup. Là. Un dessin comme ça. Puis. Plus de 1500 balles à ça. Wouah! T'es sérieux? Et là. C'est un peu sombre, mais tu vois l'entrée du manoir. Enfin, le hall du manoir, même. Et est-ce que j'ai d'autres?
J'ai le vinyle Resident Evil 3 de l'original avec le Nemesis original. Là, tu vois pas trop ce qui se passe. Et à l'intérieur, quand tu l'ouvres, tu as la vraie Nemesis deuxième forme. Et là, pareil. Les faces A, B, C et D avec l'horloge du beffroi. Est-ce que j'ai aussi... Final Fantasy VII. Quand on enlève la pochette, t'as ça. Et t'as... Et vinyle de Sephiroth. En fait, un vinyle Sephiroth ancienne génération et Cloud ancienne génération. Et t'as le vinyle de Sephiroth du remake et Cloud du remake. Et je me suis acheté un lecteur vinyle qui est là-bas. Voilà. Je te le prendrai, j'ai des pouvoirs. Mais putain, ça a commencé par quoi cette connerie? Ah oui, j'ai un collègue de travail, il me fait viens voir, c'est urgent. Et il montre un vinyle Final Fantasy VII. Putain, je lui dis putain, l'enculé. Et j'avais la haine, il devait vinyle Resident Evil 7 et tout. Enfin, Final Fantasy, Resident Evil 7, Final Fantasy 7. Et après, il me fait, ouais, y'a quoi d'autre comme jeu t'intéresserait? Bah, moi, sinon, c'est Resident Evil en priorité. Il me fait, ah bah attends, j'ai vinyle Resident Evil 1. Et un jour, il me montre aussi, un mois plus tard, un vinyle Resident Evil 3. Et là, il va sortir un vinyle Resident Evil 4, et du coup, ils vont me le mettre de côté. Là où je bosse. À Auchan. Et j'ai vu des vinyles Metal Gear 1, pas Metal Gear Solid, Metal Gear 1, Metal Gear Solid, si. Ils m'ont montré récemment les vinyles Tekken 1 et Tekken 2. Il y a Death Stranding. En fait, pourquoi j'ai pris le fusil à pompe? J'ai plus besoin de fusil à pompe. Par contre, ça coûte cher. Hein. Alors, un vinyle sans qu'il y ait des décorations dessus et tout, bah, comme les deux vinyles Resident Evil, chacun m'en comptait. ...35 balles. Et le vinyle Resident Evil Final Fantasy VII, il m'en coûtait 65 balles. Il s'est pris une belle tête. Ah, je peux prendre des risques, j'ai des armes d'autodéfense à foison. Ok, j'ai un zombie à cramer. Des roms, on s'en fout. C'est vrai que c'est fermé. Ouais, ça coûte cher la force, hein. Je me suis dit un vinyle par mois. Sauf s'il y a deux vinyles Resident Evil, bon voilà, je craque. Je me suis mis un vinyle par mois, sinon ça coûte une blinde. Ah bâtard. J'ai deux zombies à cramer. Un autre zombie? Ah ouais. Bon, là j'aurai plus de zombies. Si, ah si, encore quelques-uns. Et ouais, donc là, Resident Evil 4, j'ai mon collègue qui m'a mis, il va mettre de côté Resident Evil 4.
John. Donc, le mari de Ada. John, alors, le mari de Ada qui est pas du tout mentionné dans Resident Evil 2, mais carrément zappé. Hein, parce que dans le remake de Resident Evil 2, ils disent « Ouais, je suis un mec du meuf du FBI et tout. » Et alors que... dans l'original, c'est une meuf qui cherche son mari, soi-disant. Donc, il dirait elle cherche son mari John. Et en fait, elle cherche le virus G. Et du coup, t'as Léon... qui cherche à faire son boulot, je suis flic, je dois te protéger. Alors que dans le remake, c'est plutôt je suis un canard, je suis amoureux de toi. Alors, cette petite défi, une fois que tu auras fini, Ethan. Alors, c'est speedrun. Le jeu au pistolet, mais simple, avec des difficultés. Celui-là. Alors déjà que j'ai du mal à finir avec toutes les armes, je crois que je le fais en survie. Putain, les radins ils m'ont pas mis les balles de magnum ici. Ok. Gentil. En fait, t'en penses quoi du encadré? C'est ma soeur qui l'a fait. Attends, je suis censé chercher quoi là? Le petit encadré que t'as autour là, c'est le 4 comme l'overlay. T'en penses quoi? C'est ma soeur qui l'a fait. J'ai oublié de mon avis de game, c'est là. J'ai totalement zappé ce qu'il fallait que je fasse. Ouais. Alors j'ai quelqu'un qui m'a dit en plus c'est vrai c'est j'aurais dû le dire à ma soeur Jérémy Rizou en rouge sur du rouge en fait on a dû mettre en blanc un peu délavé et tout. Ah ma soeur la prochaine fois. Pas mal ce qu'elle a fait. Et j'ai aimé tu sais, le petit zombie qui sort comme ça. Et en plus elle sait que mon personnage préféré c'est J. Valentine et en plus du coup elle me l'affiche à côté. Voilà, juste là. Putain, et en fait, j'ai pris de diapo, mais il me sert pas la diapo à part avoir le code. Code que je me rappelle. Attends. C'est 8642. Ah oui, c'est totalement dans le thème, c'est pour le marathon. Après, ce que j'ai eu peur, c'est que l'écran de jeu. C'est que l'écran de jeu soit un peu trop petit. Tu viens de voir le zombie? Ah, tu l'avais pas vu? Alors qu'en temps normal...
t'as les Cerberus, t'as Neptune, t'as Hunter, Tyran. Là, tu vois qu'il y a Wesker, et normalement, à gauche, c'est Birkin. Et voilà, et quand tu mets le filtre. Voilà, 8 qui 4 ici. Ils sont tous partis d'un coup ce soir. Lali, eh ben, s'est endormi. Le vidéo casse, il m'a dit qu'il partait. Ben il a dit qu'il revenait. On était ici. Donc t'es là pour me tenir le moral. Ah mais si il est là. Je te couche. Ok. Qui est de bot? Tu l'as payé, c'est un bot. Non, c'est le bot normal que. Bah, si tu le programmes, tu peux avoir un bot et c'est le bot normal quoi. Il y a 8 bots, mais. Alors, normalement, les zombies tout nus, t'as pas besoin d'écramer. Bot de connerie. Toujours bien de faire un headshot dessus. Les seules balles de napalm que t'as dans le... Et la technique que je vais vous montrer, je l'ai appris que récemment. En fait, à un moment donné, j'avais oublié de prendre le kérosène et je me suis dit... Pourquoi pas tenter? Lali, elle veut au moins survivre, au moins jusqu'à que je finisse le boss. On n'aura pas le vrai boss final, Lali. Tu es Barry, on n'aura pas le vrai boss final. Je n'ai jamais fait le vrai boss final en mode survie. Il est hors de question que je le fasse. Bon, là, on va utiliser les dernières balles. Donc, ils ont bien des pop. Les zombies tout nus ne se transforment pas en Crimson Head. Si j'ai un zombie. Voilà, il est là. Faut que je le fasse tout de suite, sinon je vais. C'est de la merde. Et en gros, tu peux cramer les zombies avec le napalm. Ce qui paraît logique. Mais je l'ai su que très récemment, peut-être l'année dernière. Ou très peu de temps, ou au moins les deux dernières années. Oh, il s'est transformé en Crimson Head, le bâtard. Putain. Ah, ça se voit, regarde. Il a changé de position. Et là, il n'y a plus de zombies. Oh, il reste que des zombies tout nus. Là, j'ai gardé tout mon armement, mais en vrai, plus besoin d'armes.
Mais comme quoi, il se retransforme vite. Une fois, je me suis fait avoir. Je me la pétais devant mes potes en soirée. Et je vais vous montrer, je vais vous faire Resident Evil 1 en mode expert invisible. Avec Chris. Comme ça, c'est plus dur. Alors, attends. Une place. Attends, c'était la porte d'avant. Et je me la pétais et tout, disons, je vais le finir. Et j'avais sauvegardé au début du labo. J'ai fait tout le jeu et ce zombie-là, je l'avais oublié de le cramer. J'avais oublié de le cramer. J'avais tué le boss final. Je n'ai sauvé personne. J'avais fini le jeu. J'avais pas sauvé Rebecca exprès pour pas faire le vrai boss final. Le jeu était fini. Je partais pour aller à la cinématique de fin. Point. Ce Crimsonnet qui se lève en mode invisible. Et que je le vois pas et du coup qui me tue. Ah putain si, celui-là je le tue. Ah oui, c'est vrai, d'habitude je les tue au Magnum. Et du coup, il fallait que je recommence tout le labo parce que je n'avais pas sauvegardé. Mais où cette pute? Attends, on va le refaire apparaître. Je suis en train de dire pourquoi je le tue pas facilement, mais oui, d'habitude je le tue au Magnum, c'est là. Je les tue tous au magnum, d'habitude j'ai 12 plus 6, 18 balles de magnum quand je rentre dedans. Sauf que je l'ai claqué pour le boss araignée. Voilà, là, il est mort. Et aussi, autre truc, il y avait une période où, c'est sur la version 3.6 quand je le faisais, je m'amusais à speedrunner le jeu. Donc je sauvegardais pas. J'ai appris des trucs qui m'arrivaient, des merdes. Là, la capsule que j'ai récupérée, quand je vais mettre du carburant dessus, il faut pas courir. Tu cours, tu t'exploses. Donc en gros, tu courais deux pas, et la troisième pas, t'étais mort. Du coup, je faisais deux pas, je courais deux pas, je marchais un pas. Je courais deux pas, je marchais un pas. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu freeze. Et je marche et je cours trois pas. Je recommence. Le même soir. Je recommence. Je reprends. Ce coup-ci, ici, j'avais oublié. J'avais pas tué les zombies ici. En fait, si, je rentre. Je pensais l'avoir tué. Je récupère le carburant. Donc là ils disent pas courir. Ce que le jeu t'a jamais précisé, le zombie que j'avais tué tout à l'heure ici, je ne l'avais pas tué correctement, il était encore vivant. Il se relève. Je me dis, eh, va niquer ta mère, je te bourre au lance-grenade. Je tire lance-grenade à bout portant. Ça provoque l'explosion. Et ça m'est jamais arrivé cette couille. Et j'ai appris que si tu tires au lance-grenade de près, t'avais la capsule. Est mort. Et j'ai arrêté de speedrunner. J'avais le seum. Il faut que j'arrête. Et je le finissais encore en 1 h 30 peut-être. Quand je me mettais en mode facile en plus. Hein, attends, non, je le faisais en expert peut-être. Non, il y avait une période où j'ai tenté en expert. Sinon, il y a des fois, je le tentais en facile. Oh, je sais plus. Et que des merdes! Mais je le finissais J'ai dû le sûr, j'ai tenté une fois un expert. Mais je le faisais à peu près 1 h 30 le jeu. Donc pour le coup, je tuais pas les zombies, je les esquivais.
Attends, j'entends une chimère. On va peut-être du tuer l'autre chimère qui. Ça va qu'on va pas très loin. Parce que moi j'aurais été un bâtard, j'aurais été le créateur, c'est pas ici que j'aurais activé mis la capsule. Ça aurait été tout ce que je vais traverser tout de suite. Ça aurait été traverser tout ça. Ah non mais quand je te dis qu'à chaque fois que je fais un antiville, il m'arrive une couille inédite. Qu'est-ce que c'est là? Là pour moi j'aurais fait traverser tout ça avec la capsule. Et tu fais en sorte que tous les monstres apparaissent que quand t'as la capsule. Là ça aurait été pute. Surtout qu'au fusil à pompe, il meurt pas facilement, ces connards. Hein. Faut y aller au magnum. Ou au lance-grenade. Sauf que quand t'as la capsule lance-grenade. T'imagines une balle de magnum chacun? Il y a des créatures, je trouve qu'ils auraient dû les faire plus rapides pour que tu te forces à les tuer. Et là, tu vas péter un plomb. Voilà pourquoi. Alors, il y a deux raisons pourquoi j'ai tué Barry. Et pour pas avoir la bonne fin. Et tu one shot le boss final. Et je vais pas sauver Chris parce que en fait là j'aurais pu sauver Chris en fait j'avais largement il y a un CD-ROM faut que j'aille le chercher et il faut que j'active deux putains d'hunters et retourner dans un couloir il y avait plein de zombies ça c'était mort je voulais pas Wesker. Barry's a disappointment. It's too bad he wasn't much of a poker player. You were behind all of this. Why eliminate Stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. So having Stars nosing about is an inconvenience. You're just like all the other things. A slave of Umbrella. Smart girl, but I think you misunderstand me. The things you mentioned are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. That will be the end of my connection with Umbrella. What? What are you planning? I want to show you something. Je sais plus comment j'ai fait en speedrun dans Resident Evil 7. J'ai speedrunné qu'une fois. Of this thing? You'll never understand. Oh.
freak. C'était le boss final. J'avais fait en 2h30, bah, tu vois, bah merci pour la réponse. Pourquoi tu connais même mes vidéos que moi? Ah bah voilà. Ah bah putain, mais alors la Lee qui repop comme ça. Mais tu me fais. Je crois que t'étais mort. Pourquoi vous me dites GG? Je vais finir le jeu? Mais c'était pas un bas ça. J'ai cheaté avec Barry, avec l'arme de Barry. Je comprendrais pas pourquoi on nous a donné l'arme de Barry. En tout cas, voilà. Parce qu'il faut le dire, le boss, quand tu le bats contre le tyran dans l'héliport, c'est l'un des boss les plus durs à combattre. Hein. Il est atroce. J'avais oublié lui. Mais... Oh. Ah, là c'est vraiment pour le plaisir que je l'ai tué. Hein. Et là normalement t'as un système de tour destruction, oh, c'est la panique, c'est l'action et tout, là tu le finis. Et bah c'est fini, y a plus rien, on se bat tranquillement. On a fini le jeu tranquille. Pas plus rien à faire, là là. Ouais, tu la regardes en boucle, mais il y a plein d'autres rediff. Dire que Brad il a une mort encore plus nulle que dans l'original. Dans l'original il mourait contre la main du Nemesis, tu disais ok. Et là il meurt dans le 3 remake, il meurt par mordu par un zombie. Oh, en plus ça a piqué les oreilles en fait de regarder à force de regarder les screams de Resident Evil 7 avec le micro, tu sais, t'as le bruit blanc à la con. Parce que c'était une rediff via ma Xbox One. Alors Ali, t'as pensé quoi de la fin de Resident Evil 1? Ah c'était épique hein, t'as vu? Ah meilleure fin de Resident Evil.
Ok, il n'y a pas jeté. Des fois, quand j'y repense, ils auraient dû faire un Resident Evil 5 Chris et Jill en même temps. Et pas mettre Shiva. D'un côté, il n'y aurait pas eu l'histoire où Jill est morte, on la retrouve et tout, et il faut la combattre. Et dans l'original, elle a les cheveux longs. Et du coup, le tyran est toujours vivant parce qu'on l'a pas tué. C'est dommage qu'ils ont pas remis l'ancienne musique du premier jeu. C'est épique. Non, ça c'est au style 2 ça. Bah, de toute façon on l'entend dans le remake du 3. Je viens de capter un truc. Ça se voit qu'ils ont pas, ils ont repris la cinématique telle qu'elle était sur la version GameCube et que ils ont laissé l'ancienne qualité de la version GameCube sur les crédits de fin du jeu. C'est super fort sur les recettes. Je l'étais. Perdu du level? Non mais je continue, on va faire Chris hein. Attends, on vient de commencer, ça fait que 2 heures qu'on a fait de l'heure, on va continuer. Vas-y, vas-y. Putain, j'en ai mis du temps! J'ai tué que 49 créatures, c'est tout? Je vais doter, je suis claqué, bonne nuit. Bisous. Ah bah, au moins t'es resté jusqu'à la fin. Lali, si tout se passe bien avec Chris ce soir, demain c'est Resident Evil 2. Ah, j'ai envie de taper un classement. Une heure 20 les records? Qu'est-ce qu'ils sont branlés les gens? Trois heures vingt et un, j'avais fait. Putain. En 3h16, j'ai fait les mois d'expert. Invisible.
Eh, comme quoi. J'ai débloqué Canal comme fin. J'ai refait la même fin à chaque fois. J'avais la flemme de faire toutes les fins.